Et toujours dans cette prière de vendredi au Mosquée Selman, dont les cadres de soutien continuent à porter à la République de Djibouti, aux frères palestiniens, les ministres des Affaires musulmanes et des biens Warfa, destinés au sujet des sermons du vendredi, au Khutba dans toutes les mosquées, pour inciter à participer à la campagne nationale de secours pour les habitants de la bande de Gaza. Sur la base des directives du président de la République, son Excellence Ismaïl Merguele, cette initiative louable, exemplaire, intervient quelques jours après que le gouvernement a annoncé l'ouverture des comptes bancaires pour collecter des dons financiers en faveur de la population palestinienne ciblée par la machine militaire israélienne, notamment dans la bande de Gaza. Eh bien, à cet égard, l'imam prédicateur de la mosquée Salman, Cheikh Ahmed Yassine, a exhorté les fidèles à contribuer activement au soutien des habitants de la bande de Gaza, tués depuis d'un mois en raison de raids terrestres, aériens, maritimes des forces israéliennes. Il a également appelé les fidèles et les citoyens à se tourner vers Allah Tout-Puissant avec des prières pour aider nos frères, dont deux Palestiniens qui vivent ces jours-ci dans une épreuve difficile. اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين اللهم كن لهم عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم احفظهم بحفظك وكلهم بعنايتك اللهم تقبل شهداءهم اللهم تقبل شهداءهم اللهم عليك باليهود اللهم فإنهم لا يعجزونك صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله